Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait cet humble affaire lorsque je sortis de la gare. Nantes m'était alors inconnue, je n'y étais jamais venu. Il m'avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir, il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur, son cri déchira le silence. Après qu'il s'en était allé longtemps, je l'avais espéré, ce vagabond s'est disparu, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je me souviens de ce rendez-vous, et j'ai gravé dans la mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu quatre hommes se lever. La lumière était froide et blanche, ils portaient l'habit du dimanche. Et je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons, j'ai rien dit, mais à leur regard, je compris qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous 25 rue de la Grange au Loup, mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire, il était revenu un soir, et ce fut son dernier voyage, ce fut son dernier rivage. Il voulait avant de mourir se réchauffer à mon sourire, mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, je l'ai couché dessous des pierres, je l'ai couché dessous des roses, je veux que tranquille il repose, mon père, mon père. Il pleut sur Nantes, donne-moi la main, le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin.